Coucou mes abonnés, incroyable mais vrai. Alors je viens de retrouver ma meilleure amie, donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, ma meilleure amie que j'avais à l'époque, donc je vous donne pas son nom, rien du tout, mais je l'ai retrouvée sur deux sites différents. Incroyable, donc elle parlait anglais, elle travaillait à la poste à l'époque, elle aime la musique classique. Je l'ai reconnue de suite, quoi. Voilà, j'ai retrouvé ma meilleure amie que j'avais à l'époque. Et voilà. Alors, moi, je suis ici. J'aimerais bien que ça s'enlève. Moi, je suis, alors, ici, là. Ah, tu vois cette tête-là? Voilà, les grandes chaussettes, les chaussures. Oui, c'est moi. Toute timide. En essayant de sourire un peu pour la photo, parce qu'on nous disait. Merde, je suis en train de toucher, je sais pas quoi. On nous disait de sourire, quoi. Donc, bon, moi, j'essayais de sourire, ce n'était pas évident pour moi. Donc, toute timide. Eh oui, c'est moi. Oh là là. C'est incroyable. Alors, dans le lot, il y en a un, donc, je ne dirais pas, mais il est devenu kiné. Et il avait été mon chéri aussi. Voilà, c'était mon petit copain. Et oui. Ah, je faisais déjà des ravages, moi. Toute jeunette comme j'étais, j'avais un petit amoureux. Bon, bref. Alors, 1983, CM2, Avenue le 9 de Lausanne. Incroyable, mais vrai. Oh, mais j'adore. Là, je suis sur le site de copains d'avant. Voilà. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, mais vrai, quoi. Alors lui, non, c'est pas mon chéri lui. Mais alors lui, c'était un coquin. C'était le mec à faire des conneries à l'école. Je te le dis moi. Lui. Ah ça, il en faisait des conneries. Et voilà, et moi toute timide. Et ouais. C'est génial. Bon, allez, avec tout ça, je vous dis à bientôt.